Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Action, et là on est à Villers-Cotterêts, c'est parti. Allez, petit passage du côté de l'univers cuisine, vous montrer un petit peu ce qu'on retrouve. Ici on a les fourchettes à dessert, donc vendues par 4 à 1,99€. Enfin, je vous rappelle, il y a plein d'autres choses hein, qui sont vendues dans cette gamme-là. Il y avait les cuillères, d'ailleurs je ne sais pas si on reste. Non, il ne reste que les fourchettes. Elles sont à 1,99€. Ici, ils ont mis les pinces à servir. Ça, c'est pas mal pour les crudités. Différentes couleurs. On peut même les accrocher ici. Et elles sont à 91 centimes. Donc, on a du bleu, on a du blanc et on a également du rose. Alors, je sais que vous êtes nombreuses à aller rechercher encore hein, ces bouteilles avec la petite déco. Alors, la déco, elle existe en argenté, elle existe en doré et elle existe en noir également. 24 cm de hauteur et elle est à 1,42€. Alors, petit tour du côté des plaques qui passent au four, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les questions. Alors, on va commencer par les moules. Les moules, on a ce modèle-là, c'est un moule amovible de la marque Zenker et c'est un moule haut. Donc, en hauteur, il fait 10 cm, en diamètre 18 cm et il est à 3,79€. On a ceux-là de la marque Redstone à 3,49€. Zenker, on a les démontables à 2,99€ et moule à charnière, toujours Zenker, à 3,99€. Celui-ci, il est anti-adhésif. Moule à cake Zenker à 2,99€, 30 cm. On a toujours la marque Zenker. On a les moules à 12 muffins à 4,99€. Moule à pizza à 3,59€. Moule à tarte, toujours la même marque, 3,59€. Et puis ici, on a le plateau de cuisson extensible. Alors, au plus petit, un 37/33, au plus grand, 52/33. Et c'est bien parce qu'il peut s'adapter à la largeur de votre four. 6,49€. Sinon, on a les plats en verre pour les gratins. Donc, on en a un grand et un petit. Donc, le grand, il fait 35/22 à 3,99€. Et le plus petit, il fait 28/20 à 2,69€. On a également les plats à tarte en verre, les moules à tarte plutôt, 2,99€, 27 cm. On a le plat avec couvercle en verre pour le four à 3,99€. Et on a celui-ci à 7,49€. Alors, je survole hein, juste pour vous montrer, parce que c'est des choses que je vous ai déjà montrées. Le rayon vaisselle. Regardez, on retrouve ici hein, toute la vaisselle. Elle est au complet. Vous voyez, avec, c'est la gamme Jungle. Amélie Jones, pareil, elle est au complet. Vous voyez la gamme Square. Là, toute cette gamme-là, elle est au complet. Je regarde ici, je vois des petites choses. Regardez, on a ici les petites bonbonnières à 1,36€. On les a également hein, sous cette forme-là. Il y avait également un troisième modèle. Très joli aussi, avec trois pieds. Voilà, ils sont à 1,36€. Alors, côté bougie, je reviens sur la déco. Côté bougie, on retrouve ces bougies à 3,39€, 13/18. Alors ça, c'est nouveau, c'est des bougies décoratives. Elles sont vendues à l'unité. Donc vous voyez, il y a plusieurs parfums là, du coteau frais, on a vanille, crème glacée. Et elles sont melon, on a même melon. Ça, c'est la vente peut-être. Et elles sont à 62 centimes. Ça aussi, hein, c'est pas nouveau, c'est un retour, je dirais. Bougie dans un pot qui fait 11/14, bougie parfumée, à 3,99€. Alors, j'arrive côté bricolage, et côté bricolage, il y a un article que j'aime bien vous montrer. Quand je les vois, je vous les présente tout le temps. C'est ça. Je trouve ça super pratique, le fait qu'il y a deux supports USB. Ça évite de mettre, voyez, la prise, 5,99€. Je regarde si... Ah, ils existent également en noir. Alors, pour la cuisine ou la chambre, ça, c'est le top. Sinon, on a des toutes simples à 1,99€. Alors, ce modèle-là, c'est une prise à encastrer. Hein. Ça, c'est nouveau. C'est la première fois que je vois ça. Donc, je me suis dit, je vais le partager avec vous. C'est une veilleuse toilette Grunding avec des capteurs et couleurs changeantes. Alors, je suis en train de regarder hein, comment ça fonctionne.
Ah voilà, alors ça c'est à l'extérieur et puis il y a la LED qui est à l'intérieur. Donc je pense que ça doit résister à l'eau. Lampe toilette veilleuse 7 couleurs, capteur de mouvement convient à toutes les toilettes, facile à nettoyer. Voilà, 3,99€. Alors je continue et là je suis côté peinture. Côté peinture, j'aime bien faire un tour parce qu'il y a toujours des trucs sympas. Je vous avais déjà montré ça. C'est de la peinture pour tableau. Du coup, ça va vous permettre d'écrire à la craie sur la peinture noire. Hein. 3,99€. Donc c'est un pot qui fait 250 ml. Et juste à côté ici, on a une peinture un peu style vintage grey. Donc à 4,99€ pour donner un côté voilà, old, vieux blanc. Et puis c'est une finition mate. Voilà, 750 ml pour 4,99€. Alors, petit passage du côté hygiène et beauté. Et hygiène et beauté, je tombe sur cette brume. Alors c'est nouveauté. C'est une nouveauté, 200 ml brume pour le corps à 2,22€. Alors, il y a plusieurs parfums, comme vous pouvez voir. Alors, j'arrive côté brosse pour les cheveux. On a des nouveaux modèles. Il me semble vous les avoir montrés à Crépy-en-Valois. On a ceux-là, brosse à cheveux paillettes à 1,29€. Et puis, on a imprimé panthère. Je vous montre les pics. Voilà, comme ça, 1,95€. Et puis, on a celle-ci. Alors, celle-ci, c'est des brosses démêlantes. Voilà, licorne à 79 centimes. Il y a le retour de ces peignes. Je ne dis pas que c'est une beauté, mais c'est un retour. À un moment, je l'ai cherché. Impossible de tomber dessus. Moi, j'aime beaucoup celui-ci. Ça nous permet de faire des séparations quand on fait des tresses, des nattes, enfin plein de choses. 49 centimes le lot de 3. Et puis, on a les brosses pour le brushing à 1,39€. Alors, côté alimentation, ils sont de retour ici. Les wraps d'Orum, 1,49€. Ils sont vendus par 6 et c'est des wraps de 30 cm, pardon. 1,49€. Alors, sachez qu'ils vendent également différentes sauces. Là, par exemple, on a la algérienne à 1,39€. Donc, c'est des tubes flacons qui font 500 ml. On a sauce piquante à 1,39€. Sauce yummy 1,39€, hein, c'est une sauce à base d'oignons. Et sauce à l'ail 1,39€. Ah, ça, j'avais pas vu ça, c'est nouveau pour moi en tout cas. Sauce volcano, donc c'est pimenté, hein, y a de l'ail également, 1,39€. Il y a du sirop d'agave à 2,69€ les 250 ml. Si vous les recherchez, hein, ces petits flacons, ces petits pots de Nutella, c'est tout mini, mini pot de Nutella, 25 grammes à 74 centimes. Alors, c'est des Oreo, on va dire concassés, hein, je sais pas comment on peut. Oreo Crubs. Donc, ça va vous permettre hein, de faire hein, des petites décorations, donner du goût à vos glaces. Celui-ci, il est à 1,89€, il fait 300 grammes. Alors, j'arrive du côté hein, des rangements. Il y a plein de choses dans les rangements. Je vous avais montré la dernière fois ces bacs. Il restait que du noir en rayon, je ne sais plus, je crois que c'était à Creil. Et je vous ai dit, c'est super pratique hein, pour ranger bah, vraiment pas mal de choses, soit dans votre garde-manger, soit dans le réfrigérateur, soit dans un placard. C'est ces bacs de rangement. Alors, attendez, je vais en sortir un seul pour vous montrer voilà, comment ils se présentent. Moi, je trouve ça pratique, hein, le fait qu'il soit transparente et transparent et qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur, je trouve ça pas mal. 2,49€. Alors, sachez qu'ici, le bac rangement, comme dans pas mal d'actions, il est ouvert. Bon, ces boîtes à 1,42€. Alors, ils existent en plusieurs coloris, en gris, en noir et en blanc. Et on les a en petit format. Petit format, voilà. Pareil, dans les mêmes coloris, à 88 centimes, ils ne sont pas chers du tout ceux-là. Et le grand format, il est à 2,79€ et on retrouve les mêmes coloris. Alors un article hein, que je vous ai déjà montré, mais que je vous remonte parce que je trouve ça vraiment top. Dommage qu'ils ne le font pas en beaucoup plus grand. 5,99€, c'est les boîtes de rangement à couvercle. Vous voyez, les roulettes, donc à glisser hein, en dessous d'un lit, d'un meuble. Donc après, il faut voir au niveau de la hauteur. Alors celui-ci en hauteur... 17 cm. Voilà, le couvercle existe en plusieurs coloris, hein, comme vous pouvez voir. Au niveau des dimensions, c'est du 78 par 36 par 17.
Alors, côté multimédia, on a ce support, ce socle pour téléphone. Donc, ça va vous permettre de le tenir comme ça. Moi, c'est ce que j'ai. Bon, je ne l'ai pas acheté ici, mais c'est super pratique. Hein. Surtout comme pour moi qui filme. Donc, je trouve que c'est vraiment beaucoup moins fatigant que de le porter normalement, en fait. Alors, on a plusieurs imprimés. Là, on a un donut, on a des paillettes, on a des fleurs, on a imprimé animal. Voilà, 89 centimes. Alors, apparemment, il y en a d'autres. Et il y en aurait d'autres avant tous. Alors, avant tous, c'est ça, mais ils sont sous le plastique. C'est bizarre parce qu'il y a certains articles qui sont sous bâche et puis il y en a d'autres non. Comme ça, comme celui-ci. Et ça, là, c'est une perche à selfie que vous pouvez utiliser en trépied, 3,49. Et là, c'est pour tout ce qui est vélo, vous voyez, support pour accrocher le portable au vélo. Voilà, ma vidéo arrive à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.